Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Fashion Nova. Donc c'est mon premier haul, mon premier try-on de ce site. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo mais l'éclairage est complètement pourri. Donc je me suis dit non là il faut que tu commences à te mettre en mode là, filme quelque chose de convenable. Donc j'ai retourné la vidéo. Je vous mettrai quand même un petit passage pour que vous puissiez voir comment j'étais en mode, comment j'ai déballé mon truc et tout, j'étais à fond dedans, mais c'était pas bon. Alors, je vous ai pas dit, j'ai essayé de demander, enfin j'ai demandé aussi de me donner un petit code pour que vous puissiez faire, pour avoir un pourcentage, mais ils ont oublié de me donner. D'infos, je vais vous mettre. Donc moi, je vais le YouTube des filles sur lequel j'ai été prendre le code promo. À l'intérieur, vous avez un petit fascicule pour si vous avez des vêtements à retourner en fait. Donc vous n'avez qu'à remplir et dessiner le vêtement que vous voulez retourner. Et vous le retournez et eux, ils vous renvoient la bonne taille, la chose qui vous fallait en fait. Donc, comment vous dire, mes affaires sont arrivées dans un carton, comme ça. C'était tous emballés dans un petit plastique que voici, avec le descriptif et la taille de chaque article. Je vous dis déjà d'avance que tous mes articles sont la plupart soit en L, soit en M. Donc ça dépend, je crois que j'ai un seul article taille M et le reste c'est que des tailles L. Comment vous dire, j'ai jamais vu de site proposant des produits chinois, parce que c'est vraiment écrit Made in China, qui taille aussi bien. L, un Popol's explosé de partout, parce que j'ai pris une cure de Fortimail et ça n'a pas du tout été avec moi, j'ai explosé de partout. Donc je peux vous dire que quand vous allez voir le try-on, les formes ça explose. Hein. Et malgré ça, les vêtements me taillent nickel. Donc quand j'aurai perdu tous ces trucs-là, je pense que ça sera encore mieux. Bon, je vais vous montrer les articles et à la fin, je vous montrerai ce que ça donne portée. Que vous dire d'autre sur ce site? Donc c'est des vêtements qui ont, je pense, été dessinés par des designers américains, parce que c'est écrit Designed by US, et en fait, on s'est fabriqué en Chine. Donc, je sais pas quel accord ils ont pris ensemble, mais je peux vous dire déjà que, franchement, niveau taille, il n'y a pas de souci à se faire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai commandé sur le site. J'ai vu que les mannequins étaient assez plantureux, je me suis dit, bon, les courbes et tout, donc si elles sont comme ça avec les vêtements qui sont censés être les vêtements du site, je peux commenter. J'ai regardé certaines vidéos sur YouTube et également il y avait des filles qui avaient des formes qui achetaient là-bas. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, lance-toi et vas-y. Et c'est encore pour cette raison que je vous présente ce que j'ai acheté. Le premier article que j'ai envie de vous présenter, c'est un treillis qui se présente comme ceci, avec du stockage au niveau des jambes au bas. Donc, au niveau de la ceinture, vous avez du lacet comme ça. Et voilà, je trouve quand je le mets comme ça face à moi que c'est transparent. Donc une fois que je rentre le bras à l'intérieur, la transparence elle est plus aussi flagrante. Donc je sais pas. Faudra voir, est-ce que je le mets avec un short collant en dessous ou est-ce que je le laisse comme ça? Reste à voir. Je vais essayer et je verrai. Ensuite, j'ai pris cette robe. Donc la désigne comme olive. Donc c'est une robe. En même temps, je vais y arriver. C'est une robe vert kaki avec le bas qui est arrondi et un col, voilà, rond comme ceci et les manches trois quarts. Je trouve cette robe super confortable. Petite parenthèse les filles, si vous êtes plantureuse et que vous avez des bourrelets et des trucs qui dépassent, faites gaffe. Cette robe va tout dévoiler. Elle ne va rien laisser au hasard. Résorber, gainer, faites ce que vous voulez, mettez en gaine, mettez en ceinture gainant, mettez en ce que vous voulez, mais faites quelque chose parce que sinon, cette robe-là, elle va tout dévoiler. Au moment où je fais l'essayage, le try-on, vous allez voir, hein, je suis un petit peu crispée parce que je me suis dit, bon, j'ai pas envie que mon ventre ressorte, tout ça, j'ai essayé de rentrer le tout, mais si vous avez trop qui déborde, ça va se voir. Donc, gainer. Sinon, mis à part cela, c'est une robe qui est vraiment confortable. Je l'ai pris en taille M, il me semble. Elle est vraiment confortable, il n'y a rien à dire. C'est juste au niveau du bourrelet qu'il va falloir faire très gaffe. Au moins, ça, c'est dit. Ensuite, j'ai ce pantalon qui est donc zippé en noir. J'adore. Le seul problème, c'est qu'il est court en bas, donc il va falloir que je fasse
un DIY pour le bas, pour avoir quelque chose, vous savez, qui ressemble un petit peu à ce que nous avons au niveau des pulls. Des fois vous avez un resserrage, je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc comme ça dans le bas pour donner un petit style, vous voyez. Donc ça sera un DIY à faire. Derrière il est mis de poches, de deux poches au niveau des fesses, comme ça, voilà, voilà. Il tient super chaud, donc je pense que vous pouvez facilement passer l'hiver avec ce genre de choses. Moi je vais le porter, je pense, quand j'irai en France. Ce ne sont pas des fakes fermetures, ce sont des vraies fermetures qui se voient vraiment. Voilà, on a trois. Là, un petit peu le truc. C'est pareil de l'autre côté, ça s'ouvre également. Et voilà. Et pour vous dire, tellement que j'ai kiffé le design, j'ai pris le même en gris. Mais il est trop court, donc voilà, je vais devoir me démerder pour avoir quelque chose qui soit portable par rapport à ma longueur, ma taille. Donc voilà, ensuite j'ai pris le dernier article que j'ai à vous présenter. C'est tout simplement un crop top avec la mention Troublemaker. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ça, il te le faut. J'avais pas vu que c'était un crop top. Pour moi, c'était un petit t-shirt à manches longues, quoi. Mais en fait, maintenant, c'est pas du tout ça, c'est un crop top. Donc je vais porter avec quelque chose de taille haute, je pense. Pas avoir le ventre qui dépasse, parce que j'aime pas spécialement l'apparence de mon ventre pour l'instant. Donc par la suite, peut-être que je le porterai en crop top et encore, parce que j'aime pas trop. Bof, c'est pas mon délire de marcher avec le ventre à l'air pour marcher dans la ville, quoi que ce soit, et c'est en mieux que je pense le porter. Donc peut-être avec un petit débardeur noir, comme vous faisiez à l'ancienne, superposer deux trucs. Et voilà, c'est mon article préféré dans la promo, Troublemaker, parce que je ne suis pas une Troublemaker, mais si on le cherche, on le trouve. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo, enfin c'est pas vraiment la fin, c'est la fin de mon blablatage, parce que je vais vous laisser avec le try-on. Que vous dire de plus, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me souvenir en me mettant des courses, en commentant. Comme d'habitude, je sais que mon squad est là derrière moi, en train de tout le temps de commenter et de me donner des petits commentaires sympathiques. On échange, c'est vraiment sympa, les filles, vous déchirez. Je vais jamais vous répéter assez. Merci pour tous ceux qui sont abonnés et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Prenez soin de vous. Bye.